Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Trop contente de vous retrouver. Confinement numéro 2. Nous revoilà ensemble. Donc, comme d'habitude, vous avez mes petites playlists, si vous voulez, sur Spotify. Le nom sur Spotify, c'est Nathalie Fauquet Yoga, tout en minuscules, attaché. Et vous avez pas mal de playlists, mettez-les dans l'ordre. Sauf la playlist Yoga Flow 7, qui est quand même assez originale pour les gens qui prennent mon cours du mercredi, le dernier cours. Voilà, c'était la playlist du dernier cours, donc il y a un peu de tout et de rien. Elle est assez drôle. Donc, si vous voulez pratiquer avec le Yoga Flow 7, vous mettez lecture aléatoire et puis c'est la surprise. Vous allez tomber sur, je ne sais pas. En tout cas, très heureuse de vous retrouver. Et comme d'habitude, on va commencer tranquille et puis le flow, on va le monter. Donc si ça devient trop difficile, vous prenez une petite pause, vous revenez dans la posture de l'enfant et puis vous nous rattrapez petit à petit. OK? Allez, on va commencer allongé sur le dos. Prenez le temps de vous installer tranquillement. Ce moment avec moi, il est toujours important pour relâcher les tensions de la journée, enlever toute pensée parasite et se reconnecter avec sa respiration avant la classe. Respirez par le nez. Relâchez toutes les tensions. Vous allez remuer le bout des orteils et le bout des doigts. Et éventuellement, aller jusqu'à faire des petits cercles de pieds, réveiller les chevilles, les poignets. Et ramenez les bras au-dessus de la tête, entrelacez les doigts, grandissez-vous. Grandissez-vous encore plus et relâchez. Directement, ramenez un genou et puis l'autre vers la poitrine. Attrapez les genoux avec l'aide des mains. Ramenez les genoux un petit peu sur la droite et un petit peu sur la gauche. Massez le bas du dos. On va pas mal bouger aujourd'hui. Si on fait des petits nœuds, on prend une pause, le temps d'analyser la posture et on reviendra avec moi. Ramenez les mains de chaque côté, ici sur chaque genou. Poussez les genoux vers l'avant, enroulez la tête, regardez votre nombril, étirez entre les omoplates. Vous pouvez pousser un genou un peu plus vers l'avant et puis l'autre. Vraiment attention ici, c'est entre les omoplates. Et déroulez le dos vertèbre après vertèbre, compressez vos genoux vers vous. Ramenez bien une main sur chaque genou, ouvrez les genoux sur les extérieurs. Relâchez les hanches et refermez les genoux vers votre poitrine. Encore ce même mouvement. Ouvrez les genoux sur l'extérieur. Et refermez les genoux. Vous allez poser les pieds ici, proche des fesses. Poussez sur les pieds, montez les fesses vers le haut. Gardez le menton proche de la poitrine. Et redescendez vertèbre après vertèbre. Coccyx en dernier. Directement ici, ramenez le pied droit au-dessus du genou gauche. Attrapez votre jambe gauche. Flexez votre pied droit et étirez la fesse droite. Posez votre pied gauche au sol et posez votre pied droit également. Même chose de l'autre côté, directement. Pied gauche au-dessus du genou droit. Attrapez votre jambe droite. Et relâchez pied droit au sol, pied gauche également. Ramenez les bras au-dessus de la tête.
Entrelacez les doigts, poussez les mains vers l'arrière, ancrez bien toute votre colonne au sol cette fois-ci. Vraiment pas de creux dans le dos, essayez de pousser les mains vers l'arrière, d'ancrer la colonne au sol et relâchez. On va commencer à faire des nœuds. Ramenez ici les genoux vers la gauche, on vient en petit bout sur le côté gauche. Redressez-vous, poussez bien sur votre main droite, la jambe droite se tend vers l'avant du tapis. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie, montez le bras gauche vers le haut, décalez sur le côté. On va repasser par le même chemin, donc vous repassez en petite boule sur le côté gauche, et puis vous passez sur le dos, et puis vous passez vers le côté droit, posez bien votre main gauche proche de la tête pour vous aider, poussez le pied gauche vers l'avant de votre tapis, tendez votre jambe gauche, montez le bras droit. On revient, pose les mains derrière toi, plie les deux genoux, on est assis, les deux genoux fléchis. Ramène les genoux vers la gauche, ouvre un peu vraiment tes pieds, un peu plus que la largeur du bassin. Décale les genoux vers la gauche et reviens face, décale les genoux vers la droite. Et reviens face, tu vas tirer les fesses loin vers l'arrière pour essayer de tendre les jambes là où tu peux, le dos droit, et relâche le dos vers l'avant. Tu peux relâcher les jambes. Relâche le poids du corps vers l'avant. Commence à étirer l'arrière des jambes tout en douceur. Et puis redresse-toi. Tu vas ici venir en appui sur les mains derrière toi. Ouvrir les genoux sur les extérieurs. Cercle de hanche et repousse les pieds vers l'avant. Pieds flex cette fois-ci, jambes bien tendues. Et va vers l'avant, enroule le dos. Et déroule le dos. Encore, pose les mains bien vers l'arrière, rétroverse légèrement le bassin, ouvre les genoux sur l'extérieur. Et retourne les jambes vers l'avant, ouvre la poitrine légèrement vers le plafond et relâche. Déroule le dos. Tu vas directement ici venir en tailleur. Les mains sont sur les genoux. Tu vas faire un petit cercle de tête vers la droite ou la gauche, comme tu veux. Et puis, tu changeras de côté après un cercle. Reviens en face et enroule une épaule après l'autre vers l'arrière. Commence à réveiller ici les épaules, le dos. Entrelace les doigts, pousse les mains vers le haut, grandis-toi. Et si tu peux aller un petit peu de droite à gauche. Et relâche les mains vers l'avant, enroule le dos, relâche le front vers le sol. Déroule le dos. Tu vas directement croiser les pieds pour venir dans la posture de l'enfant. Donc, les fesses sur les talons et le front vers le sol. Avance les mains vers l'avant, mais relâche les coudes pour le moment. Directement, déroule le dos. On est assis sur les pieds. Pose le bout des doigts au sol. Pousse les fesses vers le haut, là où tu peux. Vertèbre après vertèbre jusqu'à la tête et déroule, ramène les fesses sur les talons. Tu vas directement ramener les mains sur les talons, enrouler la tête, pousser les fesses vers le haut, regarde ton nombril. Et déroule les fesses sur les talons, déroule le dos. Ouvre les genoux un petit peu plus, largeur du tapis environ, avance les mains vers l'avant. Et ramène les mains ici vers la gauche, tire la main droite un peu plus, la main droite dépasse la main gauche. Et change de côté, la main gauche dépasse la main droite vers la droite. Et déroule le dos, la main droite glisse à l'extérieur du genou gauche, regarde derrière toi.
Reviens face, même chose directement de l'autre côté. Main gauche à l'extérieur du genou droit. Et reviens face. Ramène les genoux ici bien parallèles. Ramène les mains au sol dans le quatre pattes. Prochaine inspiration, regarde le plafond. Expire, enroule bas du dos, milieu haut du dos, regarde ton nombril. Tu fais deux fois ça à ton rythme encore. Dernière fois. Et elle revient dans un beau quatre pattes, resserre légèrement les genoux. Tends la jambe droite vers l'arrière, orteil dirigé bien face au sol. Pas de cambrure ici du dos, au contraire, rien ici ne baisse vers le sol, soulevez la jambe droite. Montez le bras gauche loin vers l'avant et étirez. Prochaine expiration, dos rond, genou coude sous le nombril. Et repousse. Encore, expire. Et repousse. Ramène la main gauche au sol et le pied droit également. Tu vas rejoindre le pied gauche avec le pied droit dans la planche. Pose le genou droit au sol. Directement monte le pied gauche et la main droite. Étire. Expire, genou coude sous le nombril. Et repousse. Encore, expire. Et repousse. Pose ici le genou dans le quatre pattes. Garde les fesses hautes, avance les mains vers l'avant, pose le front au sol, étire entre les côtes, respire. Laisse-toi glisser vers l'arrière, posture de l'enfant. Relâche le front vers le sol. Reviens dans le quatre pattes directement. Tu vas crocheter les orteils. Pousse les fesses vers le haut, chien tête en bas. Plie une jambe, plie l'autre jambe. Tu vas revenir, écoute bien, dans le quatre pas dos rond sans poser les genoux. Donc vraiment les genoux à quelques centimètres, quatre pas dos rond. Et puis tu passes dans le dos creux, c'est le coccyx qui tire vers le haut pour revenir dans le chien tête en bas. Allez, inspire, monte sur les demi-pointes, quatre pas dos rond. Expire, chien, tête en bas, pousse les fesses vers le haut, les genoux ne touchent pas le sol. Inspire, quatre pas dos rond sans poser les genoux. Expire, chien, tête en bas. Super, reste ici. Cette fois-ci, tu vas inspirer, dérouler dans la planche. Déroule dans la planche. Recule légèrement les pieds ou les mains si c'est nécessaire. Pose les genoux au sol, descends les coudes proches du corps. Chien, tête en haut, regarde vers le haut. Posture de l'enfant, tire les fesses vers l'arrière. Relâche le front vers le sol. Reviens dans le quatre pattes. Crochette les orteils, chien, tête en bas. Pousse les fesses vers le haut. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Étire encore plus le dos. Allez, inspire, planche. Descends les genoux au sol. Descends les coudes proches du corps. Chien, tête en haut. Regarde vers le haut. Directement, quatre pattes. Crochette les orteils. Chien, tête en bas. Pousse les fesses vers le haut. Tu marches un pied après l'autre. Des tout petits pieds, des tout petits pas. Pour amener les pieds à côté des mains. Pieds écartés, largeur du bassin. Je relâche la tête. Relâche bien la tête. Peut-être fais des petits mouvements de tête de droite à gauche. Poids du corps légèrement vers tes orteils. Plie les genoux, déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Tête en dernier. Ici, tu vas plier les genoux, enrouler, ramener la tête vers tes genoux. Garde bien les genoux fléchis, enroule la tête jusqu'en bas. Arrivé en bas, tu peux essayer de tendre les genoux. Pousse la tête vers l'avant et vers le haut. Redresse-toi complètement. Encore, plie les genoux, enroule le dos. Allonge le dos, redresse-toi le dos droit jusqu'en haut. On fait la même chose à l'inverse. Plonge le dos droit, plie les genoux s'il le faut.
Arrivé en bas, plie les genoux pour tout le monde, déroule le dos, les genoux fléchis. Allez, tends les jambes si tu le peux, plonge vers l'avant le dos droit. Arrivé en bas, plie les genoux, déroule le dos. Grande inspiration, monte les bras vers le haut. Expire, plonge vers l'avant, dos plat. Inspire, allonge le dos, regarde loin vers l'avant. Recule un pied après l'autre dans la planche. Pose les genoux au sol, descends les coudes proches du corps. Chien tête en haut. Et chien tête en bas, directement crochette les orteils, pousse les fesses vers le haut. Chien tête en bas. Marche pour amener les pieds proches des mains. Toujours les pieds écartés, largeur du bassin. Grande inspiration, allonge le dos, regarde loin vers l'avant. Expire, les genoux. Inspire, remonte complètement bras vers l'avant ou sur les côtés. Et main en position de prière. Tadasana. On y va, inspire, monte les bras vers le haut. Expire, plonge vers l'avant, dos plat. Inspire, allonge le dos. Expire, saute, marche, planche, descends les coudes proches du corps. Chien tête en haut. Et chien tête en bas, à ton rythme. Directement, ici, tu vas expirer, ramener le genou droit vers ton nez dans la planche. Directement, genou droit vers ton nez dans la planche. Et chien tête en bas, repose le pied droit vers l'arrière. Maintenant, la même chose avec le genou gauche vers ton nez dans la planche. Et chien, tête en bas, pied gauche vers l'arrière. Regarde loin vers l'avant, saute ou marche, ramène les pieds entre les mains. Serre les pieds, serre les genoux, inspire, chaise, bras vers le haut. Pose le bout des doigts au sol, relâche la tête vers l'avant, relâche les jambes. Grande inspiration, allonge le dos. Expire, saute, marche, planche, descends les coudes proches du corps. Chien, tête en haut. Et chien, tête en bas, ne perds pas ta respiration. Allez, prochaine expiration, genou droit vers le nez dans la planche. Et repousse le pied droit, chien, tête en bas. À gauche, pareil, genou gauche entre les mains. Et chien, tête en bas. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui tire vers l'arrière. Orteil dirigé face au sol. Ramène le pied droit directement entre les mains. Pose le talon arrière, guerrier 1 à droite. Respire. Pose les mains ici de chaque côté du pied droit, pied gauche à côté du pied droit. Inspire, chaise, bras vers le haut. Pose le bout des doigts au sol, recule le pied droit derrière, pose le talon droit à 45 degrés, guerrier 1 à gauche, lève les bras vers le haut. Baisse les épaules. Pose le bout des doigts au sol, pose les mains au sol, pousse le pied gauche, tiens tête en bas à trois pattes. Orteil gauche bien face au sol, garde les hanches fermées, les épaules bien face. Pose le pied gauche à côté du pied droit, inspire planche. Expire, descend les coudes proches du corps. Chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. Marche pour amener les pieds à côté des mains. Pieds écartés, largeur du bassin. Relâche la tête. Bout des doigts droits devant le pied droit. Plie le genou droit. Inspire, lève le bras gauche. Et dépose la main gauche devant le pied gauche, plie le genou gauche, monte le bras droit, inspire. Dépose la main droite au sol, relâche le corps vers le bas, plie les genoux, déroule le dos pour tout le monde. Vous avez vu l'importance de bien respirer, ce n'est que le début, refermez les pieds, refermez les genoux. Allez, inspirez, chaise, bras vers le bas, puis vers le haut. Descendez le bout des doigts au sol, reculez le pied gauche directement vers l'arrière dans la fonte, pied gauche vers l'arrière. Posez le genou arrière, redressez-vous, paume de main dirigée vers l'avant, bras ici, les doigts dirigés vers le tapis. Prochaine grande inspiration, montez les bras vers le haut.
Expirez, redescendez les mains. Encore inspirez. Et expirez, redescendez. Dernière fois. Et déposez les mains de chaque côté du pied droit. Tente à jambe arrière. Repousse le pied droit. Chien tête en bas à trois pattes. Genou droit entre les mains dans la planche. Repose, chien tête en bas. Pousse le pied droit vers l'arrière. Grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Regarde loin vers l'avant. Saute ou marche. Ramène les pieds entre les mains. Inspire, chaise droite vers le haut. Pose le bout des doigts au sol directement. Recule le pied droit cette fois-ci derrière. Pose le genou arrière. Redresse-toi. Les doigts dirigés vers le sol. Prochaine inspiration. Lève les bras vers le haut. Inspire. Expire, redescends les mains. Encore, inspire. Expire, redescends. Inspire, monte. Et descends les mains de chaque côté du pied gauche. Tends la jambe arrière, chien tête en bas à trois pattes. Pied gauche qui se tire vers l'arrière. Genou gauche entre les mains dans la planche. Et chien tête en bas, repousse le pied gauche vers l'arrière. Directement, tu regardes loin vers l'avant. Tu montes éventuellement sur le bout des doigts. Ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Squat un bout. Relâche les fesses vers le bas. Main en position de prière. Ouvre les deux coudes sur les extérieurs. Grandis-toi. Pose le bout des doigts au sol, referme les pieds vers l'intérieur, relâche la tête, va un petit peu plus loin, attrape si tu le souhaites l'extérieur de tes chevilles. Reviens en appui sur le bout des doigts. Et ici, tu vas vraiment allonger le dos. Vraiment, je tiens au bout des doigts ici. Grandis le dos, allonge le dos. Plie le genou droit, monte le bras gauche vers le haut. Attention, le genou droit ne part pas vers l'intérieur. Peut-être même un peu plus sur l'extérieur que vers l'intérieur. Enroule cette main gauche dans le dos jusqu'à l'intérieur de ta jambe droite. Et relâche tout le corps vers le bas. Allez, regrandis le dos, monte bien sur le bout des doigts. Main gauche bien devant le pied gauche. Plie le genou gauche, inspire, lève le bras droit. Étire ce dos vers le haut, ne te laisse pas fesser vers le bas. Enroule cette main droite dans le dos jusqu'à l'intérieur de ta jambe gauche. Et relâche tout vers le bas. Grande inspiration, regarde loin vers l'avant. Expire, recule la jambe gauche vers l'arrière dans la fente. On a les deux mains à l'intérieur de la jambe droite. Deux mains à l'intérieur de votre pied droit. Tendez bien votre jambe arrière. Posez votre genou arrière, tirez votre bras droit vers l'avant et vers l'arrière. Étirez votre bras droit vers l'arrière, tirez vos mains. Repassez cette main droite vers le haut et redéposez la main droite à l'intérieur. Tendez votre jambe arrière, venez sur la demi-pointe du pied droit. Soulevez votre pied droit du sol, genou droit en contact de l'aisselle droite. Poussez le pied droit vers l'arrière, vers l'autre. Cette fois-ci, montez cette jambe. Ramenez le pied droit entre les mains directement. Inspirez, levez les bras vers le haut. On est dans la fente. Déposez les mains ici de chaque côté du pied droit. Grande inspiration, levez le bras droit vers le haut. Prochaine expiration, cercle de bras droit vers l'arrière. Expire. Inspire, allonge le dos maximum. Et reviens main vers le plafond. Encore. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Et reviens. Pose délicatement le genou arrière. Redresse-toi. Tire cette main droite vers l'arrière. La main gauche vers l'avant. Ne laisse pas le ventre tomber vers l'avant. Allez, la main droite, cercle de bras. Vers le sol,
Puis revenez face, regardez l'avant de votre tapis. Posez les mains de chaque côté du pied droit. Tendez la jambe arrière, poussez le pied droit vers l'arrière et vers le haut. Chien tête en bas, trois pattes. Allez, montez cette jambe un peu plus. Ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Squat en dos. Restez avec moi. Respirez. Ramenez les mains sur le ventre. Prochaine inspiration, levez le bras droit vers le haut. Ramenez l'oreille gauche vers votre genou gauche. Le bras droit soit vers le plafond, soit vers l'oreille. Ça s'enchaîne vite aujourd'hui. Ramenez la main droite sur le ventre, la main gauche vers le haut. L'importance de la respiration. Et revenez. Posez le bout des doigts au sol, refermez les pieds vers l'intérieur, relâchez la tête, tendez les jambes si vous le pouvez. Une grande inspiration, allongez le dos. Expirez, pliez les deux genoux, cette fois-ci c'est le pied droit qui recule vers l'arrière. Étirez votre pied droit vers l'arrière. Posez votre genou arrière, relâchez les hanches. Et poussez votre main gauche vers l'avant. Main gauche vers l'avant. Ouvrez votre bras gauche vers le ciel et puis la main gauche qui tire vers l'arrière. Ramenez la main gauche vers le ciel et puis la main gauche ici à l'intérieur du pied gauche. Tendez votre jambe arrière, décollez la demi-pointe du pied gauche, genou gauche en contact de l'aisselle gauche. Poussez le pied gauche vers l'arrière, vers le haut, montez cette jambe. Ramenez le pied gauche entre les mains. Inspirez, levez les bras vers le haut, on est dans la fonte. Et déposez les mains de chaque côté du pied gauche. Grande inspiration, levez le bras gauche vers le haut. Levez le bras gauche vers le haut. Allez, expire, cercle de bras gauche vers l'arrière. Inspire, allonge le bras loin vers l'avant. Et reviens, encore. Expire vers l'arrière. Inspire, allonge. Tu vas poser le genou arrière. Tire cette main vers l'arrière, la main gauche, et lève la main droite. Allez, bras bien parallèles au sol. Étire ses bras de chaque côté. Ramène la main gauche ici de face. Pose les mains au sol. Tends la jambe arrière, recule le pied gauche, chien tête en bas à trois pattes, pousse le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, pied droit à l'extérieur de la main droite, squat en dos. Essaye d'aller le bassin un peu plus bas à chaque fois. Cette fois-ci, la main gauche va attraper ta cheville droite et la main droite va se redresser vers le ciel ou vers l'oreille. Change de côté directement, hop là, la main droite sur le pied gauche, la main gauche vers le haut. Et reviens, relâche, referme les pieds vers l'intérieur, relâche la tête vers le bas. Tranquillement, tu vas soulever légèrement le buste et tu refermes les pieds, des tout petits pas. Pour amener les pieds serrés, les talons serrés, les genoux bien serrés. Plie les genoux, inspire, chaise, bras vers le haut. Grande inspiration, tu vas tendre les jambes, regarder le plafond et étirer au maximum. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, allonge le dos, regarde loin vers l'avant. Saute ou marche, planche, descends les coudes proches du corps, chien, tête en haut. Et chien, tête en bas, pousse les fesses vers le haut. Reviens dans le quatre pattes, pose les genoux au sol. Décroche avec les pieds. Passe le bras gauche sous le bras droit, pose l'oreille gauche au sol. Allez, profite de cette posture pour récupérer un petit peu. Pousse sur cette main droite pour te redresser. La main droite passe sous le bras gauche. Pose l'oreille droite au sol.
Pousse sur cette main gauche, redresse-toi. Allez, on continue sur notre belle lancée. Crochetez les orteils, poussez les fesses vers le haut, chien tête en bas. Grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Pousse le pied droit vers l'arrière et vers le haut. Petite étape que tu peux passer si tu le souhaites. Sinon, viens avec moi. Ramène le genou droit vers le coude droit. Coude gauche bien dans le ventre. Vraiment, ce coude gauche est un support dans votre ventre. Levez le pied gauche. 5, 4. Posez le pied gauche, levez la jambe droite. C'est pas grave si tu as passé cette étape. Ramène le pied droit entre les mains. On se retrouve tous ici, le pied droit entre les mains. Jusque-là, tout va bien. Ou presque. Inspirez, levez les bras vers le haut dans la fente. Ici, on va juste ramener les mains vers l'avant, plier le genou arrière, poids du corps entre les deux jambes. Et inspirez, ramenez le corps ici légèrement vers l'avant dans la diagonale. Diagonale entre votre talon arrière et le bout des doigts. Allez, expire, descend les bras, plie le genou arrière. Inspire, tend la jambe arrière. Encore, expire. Inspire. Et pose le bout des doigts au sol, ramène le pied gauche à 1 mètre du pied droit, pose le talon gauche, tend la jambe droite si tu le peux, relâche la tête. Puis le genou droit, ramène le pied gauche à côté du pied droit. Allez, inspire, chaise, bras vers le haut. Garde les genoux fléchis, passe les bras vers l'avant, entrelace les doigts, enroule la tête, regarde tes genoux, monte les bras. Garde les genoux fléchis. Dépose le bout des doigts au sol. Relâche tant les jambes si tu le souhaites. Grande inspiration, regarde vers le haut. Expire, saute, marche, planche, descend les coudes proches du corps. Chien, tête en haut. Et chien, tête en bas, pousse les fesses vers le haut. Pousse le pied gauche vers l'arrière, monte cette jambe. Petite étape que tu peux passer si tu le souhaites, sinon, genou gauche vers le coude gauche, coude droit sous le ventre, lève le pied droit pour 5, 4, 3, 2, 1. Pose le pied droit, monte le pied gauche. Ramène le pied gauche entre les mains. Inspire, lève les bras vers le haut. On s'est tous retrouvés ici, normalement. Allez, plie la jambe arrière, descend les bras vers le bas pour 3. Et étends la jambe arrière diagonale. Et 2. Dernier. Posez l'un de chaque côté du pied gauche. Cette fois-ci, le pied gauche va reculer vers l'arrière dans la planche. Reste ici. Tu vas descendre sur les avant-bras. Et remonter sur les mains. Et redescendre. Et remonte. Pousse les fesses vers le haut, chien tête en bas. Allez, directement le pied gauche vient se déposer sous votre nombril. Hop, à 1 mètre du pied droit. Posez le talon droit au sol. Tendez votre jambe gauche si vous pouvez. Relâchez la tête. Pliez votre genou gauche, bout des doigts bien vers l'avant de votre tapis. Faites un grand pas de la jambe droite pour ramener le pied droit vers l'avant du tapis. Gardez le genou fléchi, pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, chaise, bras vers le haut. Ramenez les mains en position de prière. Grande inspiration, regardez vers la droite. Déposez le coude gauche devant le genou droit. Deux genoux bien alignés. Recule le pied gauche derrière dans la fente. La main droite va passer dans ton dos. Main droite dans le dos. La main gauche va tirer vers le sol. Et si tu peux, tu attrapes les mains ensemble. C'est le moment où tu commences à faire des nœuds. Si tu comprends rien,
Reste tranquille dans la fente. Reste ici, respire. Allez, décroise-moi tout ça. Dépose le bout des doigts au sol, tends la jambe droite. Reste sur la demi-pointe du pied arrière. Si tu peux, flex le pied droit. Et plie la jambe de devant. Ramène bien les mains de chaque côté du pied droit. Recule le pied droit ici dans la planche. Inspire, lève le bras droit vers le haut, un pied devant l'autre. Si tu le souhaites, soulève cette jambe droite du sol pour 5, 4, 3. Dépose la main droite au sol, pose les genoux au sol, posture de l'enfant, relâche. Fesses vers l'arrière, front vers le sol, coude sur le tapis. Quand je commence à être un peu essoufflée, c'est que c'est bon signe, alors on continue. Revenez dans les quatre pattes, crochetez les orteils, poussez les fesses vers le chien, tête en bas. Poussez le pied gauche vers l'arrière, montez cette jambe. Ramenez le pied gauche entre les mains, le pied droit entre les mains pour venir dans la chaise. Inspirez. Ramenez les mains en position prière. Et prochaine grande inspiration, regardez vers la gauche. Déposez le coude droit devant le genou gauche. Les fesses plus basses que la tête, baissez les épaules. Reculez le pied droit loin vers l'arrière, soyez stable. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va s'enrouler dans ton dos. Main gauche dans le dos, la main droite tire vers le sol. Peut-être que tu restes déjà dans cette étape-là et peut-être que tu essaies d'accrocher les mains ensemble. Sans disloquer les épaules, s'il vous plaît, respirez. Allez, inspire, reviens face. Dépose le bout des doigts au sol, reste bien sur la demi-pointe du pied arrière. Tends la jambe avant, si tu le peux, flex le pied. Et replie la jambe de devant, ramène bien les mains de chaque côté du pied gauche, planche. Inspire, lève le bras gauche vers le haut, cette fois-ci un pied devant l'autre. Et soulève le pied gauche si tu le souhaites pour 5, 4, 3, 2, 1. Reviens, passe, descends les coudes proches du corps, reste sur le ventre. Entrelace les doigts au-dessus des fesses, monte le haut du buste, monte les jambes. Relâche les jambes au sol, main ici à la pointe des épaules, pousse sur les mains, posture de l'enfant. Relâche le front vers le sol. Tu vas dérouler le dos, on est assis sur les talons. Pose le bout des doigts derrière, monte les fesses vers le haut. Et reviens, ramène les fesses sur les talons. Reviens dans les quatre pattes. Crochète les orteils, pousse les fesses vers le haut, chien tête en bas. Tu vas pousser le pied droit vers l'arrière et vers le haut, monte cette jambe. Pousse le pied droit vers l'arrière et vers le haut, encore plus haut. Ramène le pied droit entre les mains. Inspire, lève les bras vers le haut. Ramène les mains en position de prière. Tu vas venir dans le guerrier 3, directement pousser le pied gauche vers l'arrière. Orteil gauche bien dirigé face au sol. Micro fléchis la jambe droite, genou bien dans l'axe pour 5, 4. Pose le bout des doigts au sol, ramène le nez vers ton genou droit, tends la jambe droite si c'est possible, monte la jambe gauche. Et tu vas monter sur le bout des doigts, plier le genou droit et ramener genou gauche vers ton mollet droit. Voilà, tu te dis, oula, je vais regarder l'écran. Genou gauche vers ton mollet droit. Tac, le genou gauche touche le mollet droit. Jusque-là, tout va bien? Et bien, on repart dans la posture de tout à l'heure. On pousse la jambe gauche vers le haut, on essaye de tendre la jambe droite, nez vers le genou. On refait deux fois ça. Oh, j'ai eu peur de prendre l'air. Expirez.
genou vers le mollet et repoussez le pied gauche vers le haut. Encore, expire. Est-ce qu'on peut essayer de se redresser ici? Allongez le dos, redressez-vous, genou gauche vers votre poitrine. Ou c'est tendu, ramenez la main droite sur le genou gauche. Ouvrez le bras gauche, sans tomber. Si vous voulez vous challenger, dirigez votre regard vers votre main gauche. Allez, 5, 4. Reviens face. C'est fini. Pose le pied gauche à côté du pied droit. Je me dis, est-ce qu'on refait un cercle? Non, c'est bon. Allez, inspire, monte les bras vers le haut. Expire, plonge vers l'avant. Relâche. Grande inspiration, allonge le dos. Directement, tu vas reculer le pied droit derrière dans la fente. Pied droit derrière dans la fente. Inspire, lève les bras vers le haut. Tu sais exactement ce qui t'attend. Ramène les mains en position de prière. Allez, pousse sur ce pied droit derrière vers l'avant. Hop, guerrier 3. Hop là. Plie légèrement le genou gauche s'il le faut. 5, 4. Repose, pardon, le bout des doigts au sol, monte cette jambe vers le haut et regarde légèrement vers l'avant, plie le genou gauche, genou droit en contact du mollet gauche. On va y arriver. Et pousse le pied droit vers le haut. Encore. Respire, genou droit, mollet gauche. Et repousse. Dernière fois, et on se redresse. Fléchissez sur votre jambe gauche, travaillez votre fessier ici. Main gauche sur le genou droit, ouvrez votre bras droit. Respire. Dirige ton regard vers ta main droite. 5, 4. Reviens face, pose le pied droit à côté du pied gauche. On lâche pas, on ouvre les pieds, largeur du bassin. Plongez vers l'avant, le dos bien droit. Si vous le pouvez, passez vos doigts ici sous vos pieds. Tac. Comme si on venait ici vraiment écraser les mains. Les doigts sont dirigés vers vos talons. Relâchez la tête. Enlevez les mains dessous les pieds, pliez les genoux, déroulez le dos. Refermez les pieds, refermez les genoux. Allez, inspirez, montez les bras vers le haut. Expirez, chaise, poussez les fesses vers l'arrière. Posez le bout des doigts au sol directement, reculez le pied gauche derrière. Posez le talon gauche au sol à 90 degrés. Cercle de bras gauche vers l'avant, guerrier 2 à droite. Genou droit bien dans l'axe des orteils droits. Déposez votre main droite soit sur le genou droit, soit à l'intérieur de votre jambe droite. Montez le bras gauche vers le ciel. Enroulez directement pour tout le monde la main gauche dans le dos, peu importe qu'on soit resté sur le coude ou pas. Main gauche dans le dos. Gardez cette main gauche dans le dos, poussez la main droite vers l'avant, redressez-vous. Tendez votre jambe de devant, guerrier inversé. La main gauche tire dans le dos. Et revenez, guerrier 2. Gardez cette main gauche dans le dos pour ceux qui peuvent déposer la main droite au sol et éventuellement la main droite attrape la main gauche. Soit on a déjà beaucoup pour aujourd'hui, c'est assez intense, donc tu peux relâcher, te redresser. Pour les autres, petit challenge, on essaye de rapprocher ce pied gauche un petit peu. C'est là où tu te dis, s'il y a trop de poids dans ton pied gauche, t'es en galère. Juste soulage un petit peu, ramène le pied gauche à côté du pied droit. Garde ce pied gauche ici à 90 degrés avec ton pied droit. Je sais, je parle beaucoup, c'est une position pas très confort. Essaye de te redresser, mais garde cette accroche ici derrière toi. Hop là! Allez, essaye de te redresser sans t'arracher la jambe, sans t'arracher l'épaule, tranquillement, aucune obligation.
Qu'est-ce qu'on est bien là? Si tu peux, tu tends la jambe droite. Allez, reste ici, comme d'habitude. 3, 4, 5 respirations. L'objectif, non, aujourd'hui, pareil, je vais être gentil, on relâche tranquillement. Pour ceux qui avaient arrêté avant, aucun souci, vous voyez, on vient de revenir avec vous. Revenez vers l'avant de votre tapis. Allez, inspirez, montez les bras vers le haut. Expirez, plongez vers l'avant. C'est la deuxième chance, c'est l'autre côté. Pliez les deux genoux, reculez le pied droit, cette fois-ci vers l'arrière. Posez le talon droit au sol à 90 degrés. Cercle de bras droit vers l'avant. Guerrier 2 à gauche, restez ici. Glisse ta main gauche à l'intérieur de la jambe gauche ou le coude sur le genou. Monte le bras droit vers le plafond. Inspire, redresse-toi, guerrier inversé. Et reviens dans le guerrier 2. Glisse ta main gauche à l'intérieur de ta main gauche, oui, main gauche à l'intérieur de ta main gauche, de ton pied gauche, c'est mieux. Monte le bras droit vers le haut et rentre ici ta main droite dans le dos. Redresse-toi, main gauche vers l'avant, grandis-toi, guerrier inversé. La main droite reste dans le dos et repart dans le guerrier 2. Si tu le peux, la main gauche attrape la main droite. Soit t'arrêtes tout maintenant, tu te redresses tranquillement. Soit ici, on essaye de l'autre côté, on ramène le pied droit proche du pied gauche. Hop là. Ok, on se redresse. Redressez-vous. Ok. Une fois qu'on a redressé, peut-être on peut essayer de tendre la jambe. 5, 4. Qu'est-ce que je voulais faire ce mercredi soir, relâcher et relâcher les jambes. Ok, relâchez tout, revenez vers l'avant de votre tapis. Respirez, bravo tout le monde, allez inspirez, montez les bras vers le haut. Expirez, plongez vers l'avant, soufflez. Pliez les genoux. Déroulez le dos. Vous allez ouvrir le pied gauche sur l'extérieur. On se retrouve de profil au tapis. Refermez les deux pieds vers l'intérieur. Presque les gros orteils sont dirigés ici vers l'intérieur. Vous allez glisser vos mains sur l'extérieur de vos jambes et aller vers l'avant. Ramenez le bout des doigts au sol, redressez votre buste bien parallèle au sol. On est toujours dans notre petit essorage ici. Allez, main gauche ici, bien sous le plexus solaire, montez le bras droit vers le haut. On monte ce bras droit vers le haut, les hanches peuvent se décaler légèrement vers l'avant. Enroule cette main droite dans le dos, éventuellement jusqu'à l'intérieur de ta jambe gauche. Et relâche. Main droite prend la place et la main gauche. Monte le bras gauche vers le haut. Étire. Et enroule cette main gauche dans le dos jusqu'à l'intérieur de ta jambe droite. Et relâche. Relâche le corps encore une dernière fois vers le bas. Le plus bas possible. Le dos droit. Une grande inspiration, redresse-toi complètement. Ouvre les pieds sur les extérieurs. On va venir ici vers le côté droit. On va fléchir vraiment sur cette jambe droite, flexer le pied gauche et venir déposer le bout des doigts au sol. Prenez le temps, si ça vous fait mal dans les cuisses, dans le pied, ne le faites pas. Vous pouvez décoller le talon s'il le faut. Si on peut, on pose le talon droit au sol. Ouvrez la hanche droite bien sur l'extérieur. Je sais que c'est une posture qui est un peu délicate pour la plupart de vous. Juste essayez de relâcher le poids du corps vers le bas
Essaie d'ouvrir ce genou droit. On va juste essayer de changer de côté. Allez de l'autre côté vers votre jambe gauche, jambe droite tendue, orteil droit face au ciel. Objectif ici, repasser de l'autre côté. Dernière fois, changer de côté directement, mobilité des hanches. Hop là. Et cette fois-ci, sans faire boum, arrangez-vous vos papiers pour poser les fesses au sol. Tendez votre jambe gauche, flexez vos pieds et allez vers l'avant. Les orteils sont toujours dirigés face au plafond. Et aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Refermez les genoux. Repassez face. Tendez vos jambes. Flexez vos pieds. Entrelacez vos doigts. Poussez les mains vers le haut. Grande inspiration. Expirez. Penchez vers l'avant. Déroulez le dos. Ramenez les genoux vers vous et vous allez rouler sur le dos. Ramenez bien les genoux vers la poitrine. Vous allez poser le pied gauche au sol. Étendre le pied droit vers le haut. Tendez votre jambe droite vers le plafond. Si on peut attraper la jambe droite, faites-le. Sinon, attrapez ce que vous avez autour de vous. Un plaid, une écharpe, ce que vous voulez. Attrapez votre pied droit. Si on a la jambe bien attrapée, le dos bien au sol et qu'on se sent de tendre la jambe gauche, faites-le. Et fléchissez votre jambe droite. Expirez, le genou gauche revient vers vous. Posez votre pied droit au sol, tendez votre jambe gauche vers le haut. Attrapez votre jambe gauche. Si on se sent, on tend la jambe droite. Relâchez le genou gauche, posez le pied gauche au sol, ramenez le pied droit également au sol. Vous allez pousser ici sur les pieds, attention les queues de cheval, il faut vraiment avoir la tête bien au sol, menton vers la poitrine. Poussez sur les pieds, montez les fesses vers le haut, vertèbre après vertèbre, menton bien proche de la poitrine. Et relâchez. Vertèbre après vertèbre. Aujourd'hui, on va faire la posture de la chandelle. Donc, ne tournez plus la tête ni à droite ni à gauche. Ramenez vraiment votre regard vers le plafond. Vous allez ramener vos genoux vers votre nez. Enroulez le dos, ramenez les mains vers le bas du dos. Et une fois qu'on a ici les mains bien vers le bas du dos, on peut essayer de tendre les jambes, les orteils dirigés vers le plafond. Restez ici, respirez.
Vous allez fléchir vos genoux tranquillement. Fléchissez vos genoux. Ramenez vos genoux vers votre nez. Si vous vous sentez, tendez vos jambes vers l'arrière. Posez les orteils derrière votre tête. Si c'est trop intense pour votre dos, déroulez dès à présent votre dos. Et pour tout le monde, fléchissez vos genoux. Déroulez vertèbre après vertèbre. Avec contrôle, menton bien proche de la poitrine. Gardez le menton proche de la poitrine. Contrôlez. Vertèbre après vertèbre, pas de bloop à la fin. Vertèbre après vertèbre. Restez ici, posez un pied après l'autre. Restez un instant ici. Dirigez vos pieds vers l'intérieur. Dirigez vos genoux vers l'intérieur également. Ramenez les mains sur le ventre. Respirez. Et ramenez les pieds dans l'axe. Grande inspiration, ne faites rien. Expirez, levez la tête, regardez vers l'avant, posez les coudes au sol, comme si on était à la plage un petit peu. On ne va pas rester longtemps, vous savez bien. Vous allez ici ramener les petits os des fesses bien en contact du sol. Donc, ouvrez la poitrine vers le haut, tendez les jambes. Et on va essayer ici de ramener les coudes un peu plus vers l'avant pour faire le poisson. Donc le poisson, soit on garde vraiment la poitrine vers le haut, soit on essaye de poser le sommet du crâne au sol. Dernière respiration. Prenez une grande inspiration, regardez vos orteils. Expirez, relâchez la tête vers le sol. Restez un instant ici. Relâchez bien tout le dos. Et vous allez ramener un pied après l'autre au sol, proche des fesses. Ramenez les mains sur le ventre, rétroversez légèrement le bassin et ouvrez les genoux sur les extérieurs, les deux pieds ensemble, plante de pieds ensemble, mains sur le ventre. Fermez les yeux. Ramenez les genoux vers vous avec l'aide des mains. Compressez bien ces genoux vers vous. Faites éventuellement des petits mouvements de droite à gauche. Faites les derniers mouvements qui vous sont nécessaires, que vous avez envie. Pour recompresser bien vos genoux vers vous. Vous allez rouler en petite boule sur le côté gauche. Ramenez la main gauche sur le genou droit. Ouvrez le bras droit sur l'extérieur. Revenez en petite boucle sur le côté gauche et roulez sur le dos, un genou après l'autre. Passez vers votre côté droit. La main droite se dépose sur le genou gauche. Ouvrez votre bras gauche sur l'extérieur. Et revenez un petit bout sur le côté droit. Roulez sur le dos un genou après l'autre. Tendez une jambe après l'autre vers l'avant.
Entrelacez les doigts, prenez une grande inspiration, grandissez-vous. Expirez par la bouche, relâchez. Faites les mouvements qui vous sont nécessaires, soupirez, bâillez, étirez pour trouver la posture d'immobilité, Shavasana. Les paumes de main sont dirigées face au plafond. Les pieds retombent naturellement sur les extérieurs. Ouvrez un peu plus les jambes que la largeur du bassin. Le menton est légèrement rentré vers la poitrine pour allonger la nuque. Relâchez le dos. Sentez tout votre corps respirer en harmonie. Chaque parcelle de votre corps, chaque petit muscle respire. Laissez le temps au corps d'assimiler la pratique. Tranquillement, vous tournerez la tête vers la droite. Et redressez la tête vers le plafond et tournez la tête vers la gauche. Et redressez la tête. Avec le moins de mouvement possible, en ramenant vos genoux vers votre poitrine d'abord, venez en petit bout sur le côté droit du corps. Allez-y comme vous le souhaitez. Prenez le temps, éventuellement avec une main, un bras sous l'oreille droite. Restez un instant ici. Tout en gardant les yeux fermés, aidez-vous de vos mains pour vous redresser en position de tailleur. Le dos est droit, il tient naturellement sans force. Juste votre tête est posée sur votre colonne. Les mains sont sur les genoux. Grande inspiration, les épaules montent vers les oreilles. Expirez, relâchez. Vous allez frotter les paumes de main ensemble. Déposez vos mains sur vos paupières fermées. Reprenez une grande inspiration. Expirez, ouvrez les yeux dans vos mains. Relâchez vos mains. Enroulez le dos une dernière fois vers l'avant. Et vous déroulez le dos. Merci beaucoup. Namasté. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup pour votre présence. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me faire confiance. Et franchement, ça me touche beaucoup, vos petits messages également. Merci. Et je vous dis à bientôt, comme d'habitude, on se tient au courant sur les réseaux sociaux des prochains cours. Merci beaucoup. Merci à tous.